Alors, après la modélisation des pions de notre jeu d'échecs, on va s'attaquer à leur apparence, c'est-à-dire et plus précisément à la surface de l'objet. Et pour cela, on va voir les matériaux, ou materials en anglais, ou encore, il y a d'autres fois où vous pouvez trouver le mot shaders, donc shaders qui signifie ombrage. En fait, un matériau, ça va être, on va définir avec lui comment la lumière se diffuse sur l'objet, comment l'environnement se reflète dans l'objet en fait. Donc il y a plusieurs types de matériaux dans le logiciel. Donc vous en avez certains à l'écran. Alors on peut voir qu'il y en a qui sont noirs. Donc ceux qui sont noirs, c'est ceux qui ne fonctionnent pas avec le moteur de rendu Eevee et qui fonctionnent avec le moteur de rendu Cycle. Et inversement, comme on va le revoir de suite, il y en a certains qui fonctionnent avec le moteur de rendu Cycle, mais pas avec le moteur de rendu Eevee. Alors déjà, on va afficher un peu leur nom pour la fois. Donc on voit là qu'il y a le matériau Toon qui ne fonctionne pas et qu'il y a le matériau pour Air, pour les cheveux, qui ne fonctionne pas dans Eevee. Et quand on passe dans Cycle, voilà, donc c'est un peu différent. Donc on a le matériau spécular qui ne fonctionne pas. Par contre, on voit que les cheveux fonctionnent bien et que... Où est-ce qu'il est notre matériau Toon fonctionne bien aussi. Donc on voit les ondes qui sont bien marquées. Mais on va revenir pour voir un peu les différents matériaux. Alors, on a plusieurs types de matériaux. Donc je ne les ai pas tous mis. J'ai mis des pour moi me semblent les principaux pour commencer. Bon, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc on a le matériau diffuse. Le matériau diffuse qui permet, c'est un matériau qui est très basique, qui permet d'afficher une image ou une couleur, tout simplement avec un peu de réflexion. On a le matériau émission. Le matériau émission, lui, il émet de la lumière. Alors sur Eevee, pardon, c'est juste un matériau qui est luminescent. Par contre, si on passe sur Cycle, on voit qu'il émet vraiment de la lumière et du coup, il éclaire les autres objets. Ensuite, on a les matériaux de type glace. Donc lui, il est transparent et réfléchissant à la fois. Alors évidemment, c'est un matériau qui fonctionne mieux avec un moteur comme Cycle, en ray tracing, avec un moteur temps réel comme Eevee. On a le pion glossy, donc glossy ça ne concerne que la réflexion de l'objet. Principled, c'est le matériau avec lequel on va travailler. En gros, c'est un matériau à tout faire. Dans le logiciel, vous avez plusieurs matériaux avec le nom Principled devant. Donc Principled BSDF, c'est le matériau qui va nous permettre de créer des matériaux réalistes. On a le Principled Air que j'ai utilisé là au fond qui permet de gérer totalement les cheveux. Voilà, donc on peut gérer la mélanine, on peut gérer la réflexion, etc. Bon voilà, sur Cycle, la définition là n'est pas terrible, mais si vous faites un rendu, ça donne des super cheveux. On voit la lumière là qui passe à travers. Enfin, voilà, c'est super pour faire les cheveux, ce matériau-là. On reviendra sur le matériau principal, puisqu'on va beaucoup s'en servir. Ensuite, on a le matériau réfraction, donc il ne concerne que la réfraction de la lumière. Le matériau spéculaire qui, lui, ne fonctionne qu'avec Eevee. Donc là, on les voit, mais à vous de prendre n'importe quel objet, d'assigner différents matériaux, de les tester pour voir qu'est-ce que ça donne. On a le matériau SSS, donc pour Subsurface Scattering, donc c'est le matériau qui permet, je ne sais pas si vous voulez faire des bougies ou des trucs comme ça, donc qui a totalement du Subsurface Scattering, mais encore une fois, on peut gérer le SSS aussi dans le principal. Si vous ne savez pas ce que c'est le SSS, je vous renvoie à la vidéo sur l'affichage de la vue 3D. Ensuite, donc le matériau Toon, qui lui va créer des ombres qui sont bien tranchées. Donc comme dans un des Toon, en fait, ça fait référence aux dessins animés. Donc dans les dessins animés, ce qu'on appelle aussi le cel shading, donc on a la plupart du temps une zone d'ombre et une zone éclairée, contrairement aux matériaux qui sont plus réalistes, où on a vraiment un dégradé entre la lumière et l'ombre. Ensuite, on a le matériau Velvet, qui permet... Velvet pour velours, donc c'est un matériau qui est très utile pour faire du vêtement par exemple. On a le matériau translucent qui est translucent, comme son nom l'indique. Évidemment, ce aussi sont des matériaux qui fonctionnent beaucoup mieux avec Cycle qu'avec Eevee. Et voilà. Alors, donc c'est bien beau de parler des matériaux, mais comment on s'en sert? Donc on a plusieurs façons de s'en servir. Déjà,
Première chose, c'est que pour afficher les matériaux, il faut être soit en vue LookDev, soit en vue Render. Donc c'est ça qui permet de voir les matériaux, puisque quand on est en fil de fer, évidemment, on ne voit que le maillage. Et quand on est en solide, ben, c'est solide, et donc on ne voit pas le matériau. Ensuite, on a un workspace, donc un espace de travail, avec des fenêtres prédéfinies, qui s'appelle Shading, qui permet justement de développer ces différents matériaux. Mais on y reviendra plus tard, pour l'instant on va faire simple. Donc pour créer un matériau, c'est tout simple. Donc pour ça, on va prendre notre cobaye favori, Suzanne. Et on va aller dans l'onglet Materials. Donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, on a plusieurs séries d'onglets. Et une série qui est consacrée uniquement à l'objet. Et parmi ceux-là, on a une sphère avec un damier. Et c'est, on va prendre Suzanne, et c'est donc cette fenêtre qui s'appelle Matériel, où on va pouvoir ajouter un ou plusieurs matériaux, puisque on n'est pas limité à un seul matériau par objet. Donc, vous pouvez créer des emplacements de matériaux en faisant plus ou moins. Donc, on peut créer autant de matériaux qu'on a envie, je pense. On peut en créer beaucoup, en tout cas. Si vous voulez créer un nouveau matériau, on appuie sur New. Ou alors, vous pouvez aller choisir parmi les matériaux qui sont déjà existants. Donc là, je peux ajouter un matériau de type glace que j'avais déjà créé pour ce pion. Mais ce que je vais faire, donc je vais l'enlever, un nouvel emplacement et faire new pour en créer un nouveau. On va l'appeler Suzanne pour pouvoir le reconnaître par la suite. Hop là, merci Caplox. Voilà donc les matériaux. Je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on y voit un peu mieux. Les matériaux viennent avec plusieurs options. Déjà, on a l'option Use Node. Donc si on n'utilise pas Use Node, donc pour utiliser les nœuds comme on le verra tout à l'heure, on a vraiment les fonctions de base. Si on utilise Use Node, on a beaucoup plus de paramètres. Et notamment un qui nous permet de choisir le type de surface. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, un matériau c'est la façon dont la lumière réagit. Et donc on peut choisir parmi plusieurs types de surfaces. Donc je ne les ai pas tous mis en démo, mais voilà, si vous voulez essayer, libre à vous de le faire. Juste, il y a quelques matériaux qui ne servent pas au rendu des objets, comme le matériau Holdout, qui va en fait créer un trou. Voilà, tout simplement, il n'y a rien, c'est une zone de vide. On a des matériaux qui permettent de mixer plusieurs matériaux entre eux, dont le Mix Shader et le Add Shader. On reviendra sur le Mix Shader parce qu'il est assez intéressant. Voilà, donc de base on va se servir surtout du matériau principal, voilà, qui est un matériau un peu à tout faire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà on a plusieurs ici paramètres qu'on peut régler. Donc la couleur de base, on peut dire si c'est un matériau qui est transluminescent en réglant la subsurface. Donc on va se rapprocher du matériau SSS qu'on a vu derrière, avec on peut choisir la couleur de la transluminescence justement. On peut définir si c'est un matériau métallique ou non. Donc de base, un matériau est soit métallique, donc là c'est sur 0, soit non métallique, qui va être sur 1. On peut dire s'il est rugueux ou non. Donc s'il n'est pas rugueux, ça veut dire qu'il est totalement lisse, donc l'environnement va se réfléchir entièrement sur lui. Et s'il est rugueux, donc plus un matériau est rugueux, moins on a de réflexion par rapport à la lumière qui rebondit sur le matériau. Et donc, si on met la rugosité à 1, on n'a plus du tout de réflexion. Voilà, ensuite il y a beaucoup de choses, mais pour l'instant on va rester sur du basique. Donc ça c'est la façon basique de régler un matériau. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut mettre plusieurs matériaux. Alors pour cela, en fait, c'est qu'on va assigner différents matériaux à des zones de l'objet. Donc je vais en créer un nouveau. On va appeler Suzanne 2. Voilà. Alors le premier matériau, on va dire que ça va nous servir à créer la peau de Suzanne. Voilà. Et le deuxième va servir pour les yeux. Donc il va être... On va vouloir que l'environnement se reflète beaucoup dessus. Et là, on ne voit rien. Alors, comme je vous l'ai dit, il va falloir indiquer au logiciel quelle zone utilise
tel matériau. Donc pour cela, on va passer en mode édition. Et en mode édition, on va sélectionner. Alors là, j'ai un modificateur subdivision surface. Voilà, comme ça. Je gêne un peu pour la visibilité. Voilà, donc on va définir des sélections et on va appliquer les matériaux à cette sélection. Alors par exemple, je vais utiliser le raccourci clavier L qui permet de sélectionner des polygones qui sont groupés. Là, je sais que pour Suzanne, les yeux et le reste de la tête sont séparés, donc ils ne sont pas attachés. Donc je sélectionne les deux yeux avec la touche L. Et je vais aller sur le deuxième et je vais faire, ici, j'appuie sur le bouton Assign. Alors ces boutons sont apparus quand on est passé en mode édition, puisque de base, en mode objet, ils n'y sont pas. Voilà, donc si je fais Assign, donc cette partie-là de l'objet va utiliser le matériau Suzanne 2, puisque j'ai cliqué sur Assign. Et donc pour être sûr, je vais inverser ma sélection, prendre le premier matériau et cliquer également sur Assign. Voilà. Et donc là, on peut voir, donc j'ai mes yeux qui sont bien blancs. Je vais changer le premier matériau pour encore plus visible. On va faire une Suzanne verte, Suzanne Hulk. Voilà, et donc on voit les yeux, faire les yeux rouges parce que Hulk n'a pas de colère. Ça ressemble à rien. Plus une Suzanne extraterrestre qu'une Suzanne Hulk, mais bon. Bref, voilà comment on peut assigner plusieurs matériaux à un seul objet. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez ici un bouton Select, donc qui va permettre de sélectionner toutes les faces sur lesquelles le matériau est attribué. Voilà pour cette première partie sur les matériaux.